Mes chers frères et sœurs, comme vous le voyez, c'est le printemps, nous sommes dehors, l'air est pur. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un très très beau chant orthodoxe et aussi qui est utilisé par les catholiques de l'Orient. Et tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller au Saint-Sépulcre quelquefois, par exemple la nuit de Pâques, vous entendez ces chants qui vous prennent le cœur, qui vous prennent l'esprit extraordinaire, très inspirant. Alors nous allons entendre donc l'hymne acathiste, c'est un hymne à la Vierge Marie. Et avant cet hymne, je voudrais aussi vous présenter Witzka, qui veut nous donner un petit salut fraternel. Et Witzka, comme vous pourrez le voir, n'a plus que la peau sur les os, elle souffre depuis des années, vous le savez, elle reste cachée. Comme nous tous aujourd'hui, elle est confinée avec son mari et ses deux enfants à la maison, et elle prie beaucoup pour nous, et elle offre pour nous. Et elle est un exemple vivant de la joie de quelqu'un qui offre constamment ses souffrances et ses prières. Alors, je pense à cette parole que la Vierge nous a transmise à travers elle. Chers enfants, que votre chemin de croix devienne chemin de joie. C'est ce que la Sainte Vierge elle-même nous a fait comprendre de sa propre vie. Bienheureuse Vierge Marie. Et puis, Witzka est un exemple vivant, mais je sais que beaucoup d'entre vous aussi le vivent, et je m'en réjouis. Ceux qui ne le vivent pas encore, eh bien nous prions pour que vraiment tout chemin de croix devienne chemin de joie. C'est le but de notre prière chrétienne. Alors voici donc Witzka. Saluto tutti, che prego per tutti voi. Anche oggi quando la Madonna viene, raccomando a tutti e a tutti i vostri intenzioni. Sempre uniti, vi voglio tanto, tanto bene, vostra cara piccola sorella Witzka. Un bacio a tutti. Maintenant, voici l'hymne acathiste que je vous avais proposé. Écoutez bien et ouvrez votre cœur à ce beau chant comme un hymne, une ode à la Vierge Marie. Elle le mérite bien. Que Dieu vous bénisse. Réjouis-toi.
Saint-Esprit, toi.